Alors, commençons par le commencement. 1er avril 1999, pour la première fois, on colle dans mon dos un poisson sur lequel il est écrit « Frappe-moi ». Oh, j'ai que 7 ans et je passe la pire journée de ma vie. Depuis, je cherche à me venger. Et pour ça, je me suis entraîné aux arts martiaux. Je suis devenu milliardaire et je erre le soir dans les rues avec mon costume de chauve-souris. Nicolas et Pierre, je vous retrouverai. Croyez-moi. C'était la voix de Batman. On l'avait. Voilà, plus ou moins, du coup, à 2-3 détails près, ce que les poissons d'avril m'inspirent aujourd'hui, la vengeance. Hein. Mais se venger d'un poisson d'avril, c'est pas facile. Parce que le problème, il réside essentiellement dans la notion de timing, voyez. Voyez la situation quand ton cousin vient et te fait croire que mamie est décédée, puis te révèle 20 secondes après que c'était un poisson d'avril. Bah, tu peux pas venir 2 heures plus tard et le piéger à ton tour. Hé, hey Nicolas, oh si jamais j'ai embouti ta voiture. Oui, poisson d'avril, Adrien, très marrant. Je sais. Et puis, tu peux pas non plus créer un effet de surprise en venant 2 jours plus tard. Hé, hey Nicolas, si jamais j'ai rayé ta voiture. C'était il y a 2 jours, Adrien. Et j'ai pas de voiture, arrête avec ces conneries. Mais alors, d'où ça vient cette envie de faire des petites jokes le 1er avril? L'origine, elle n'est pas forcément monstre clair et il y a énormément de théories. Certains s'accordent à dire que ça vient de Grèce antique. D'autres affirment que le poisson d'avril serait d'origine moyenâgeuse. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça vient d'une époque où tu vivais max jusqu'à 38-40 ans, tu vois. Pas plus. Du coup, dédié un jour entier à faire des blagues, c'est pas déconnant. Hein. Mais aujourd'hui, si jamais, on peut vivre jusqu'à quasi 100 ans. Arrêtez, moi je vous propose plutôt, faites des blagues un peu tous les jours. D'accord? Vous verrez, vous allez être bien plus heureux. Alors, vous risquez de perdre davantage d'amis, parole d'expert, mais ça va, on s'y fait. Ça va, on s'y fait. Bon, le poisson d'avril doit appartenir aux enfants, d'accord? Avec les gosses, au moins, ça reste léger et sans ambiguïté. Les adultes qui s'investissent à fond dans les poissons d'avril, ça donne toujours des trucs gênants. Hé, hey, Nathalie, je t'aime. Quoi, pardon? Non, je déconne. Poisson d'avril. Comment je pourrais aimer une collègue de bureau et révéler mes sentiments en pleine réunion? N'importe quoi. Le summum du poisson d'avril nul, c'est quand même les fake news. Ah, les médias qui balancent des fake news pour faire les rigolos, rien ne me gêne plus. D'accord? Petit florilège 2024, des graines à raclette ont été inventées selon Valet Promotion. Oh. LOL. Je chiale du sang. Rando Suisse annonce que la randonnée devient sport olympique. Mais quoi? Je viens de me faire prank. Les jeunes verts qui proposent dans un tweet de limiter le droit de vote à 62 ans. Tout simplement, titanesque. J'espère au moins, d'accord, que ces gens-là, ils sont engagés spécialement pour ça et que dans toutes les rédactions du monde, il y a une personne engagée pour cette action. 31 mars, 23h59, seul dans les bureaux, assis devant son ordinateur, avec des fausses lunettes et une perruque rigolote, le doigt au-dessus de son bouton Enter, en train de rigoler du nez en mode... Oh, ça y est, c'est minuit, il est temps pour moi de faire rire le monde. Avec du recul, j'y pense et j'espère sincèrement que Nicolas et Pierre, ils font ce job, d'accord? Parce que ça me donnera une raison de plus de leur casser la gueule. Bonne semaine. Merci Adrien. Je suis Batman. Ah, c'était Batman, vraiment. C'est moi, Batman. J'ai reconnu dès le début. Je suis à l'affiche du prochain Batman, si jamais. Ça me fait rire, en même temps, je me sens un peu humilié parce que vraiment, il y a plein de 1er avril, quand j'étais plus jeune, je me réveillais tout frétillant en me disant, je me réjouis de lire les médias, les journaux, et pour essayer de chercher les poissons d'avril dedans. Et c'est vrai que maintenant, je trouve ça nul, mais pendant très longtemps, j'étais tout content d'essayer de débusquer. Oui, mais je pense qu'à un temps, c'était pas aussi populaire. J'ai l'impression que maintenant, c'est tout le temps partout, tous les réseaux. Il y a trop. Ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est la culture du trop, quoi. T'as pas regardé dans ton dos, Adrien. Non, bien joué. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.